Est-ce que Clémentine est par là? Par là. Je peux voir Clémentine? Clémentine, voilà, enfin. On me demande de m'approcher de vous, mais je l'ai fait avec plaisir. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Clémentine?
qu'elle est jolie, qu'elle a du caractère, qu'elle s'emballe, qu'elle s'énerve par moments. On la sent très pudente. Et quant à sa peinture, naturellement, elle fait penser à Michaud de Borel. Et c'est elle-même. On peint comme on est. On peint comme on est. Vous dites ça pourquoi ? Non, c'est vrai. Non, vous avez raison. Mais pas parce que vous avez un petit peu suivi l'influence de vous-même et puis d'un certain monsieur Denis. Mais je l'ai connu tard. Vous l'avez connu tard ? Très tard. Très tard. Non, mes dieux, c'était. Le premier, c'était Vuillard. Le deuxième, c'était Braque. Le troisième, c'était Ysel. Oui. Le quatrième, c'était Édouard Pignon. Et Ernest ? Non. Et là, Marqué aussi. Ah non, mais ça, c'est. Non, mais ça, c'est la famille. Mais non, je dis les dieux. Les dieux. Balthus, demi-dieu. Ça, c'est... Oh, je crois qu'on peut rester sur les troubles. Balthus. C'est quand même toujours des airs un peu étranges, des personnages étranges. Ça ne transparaît pas dans ça. Ah ben non, pas. Et quand on voit des vieux monsieur regardant des petites filles, ça vous semble pas étrange ? Non, c'est normal. C'est normal ? Bon, alors, Je ne regarde pas le sujet. Pourquoi ? Là, vous pensez à quoi ? Non, mais je regarde pas. Quand je regarde une peinture, je ne regarde pas le sujet. Ça paraît bizarre de dire ça quand on fait de la peinture figurative. Oui. Mais je ne vois pas le sujet. Je vois la peinture abstraitement. Et si je ne la vois pas abstraitement, pour moi, c'est de la merde. C'est que ce n'est pas passé par l'abstraction. Sans quoi, sur le métier, vous recommencez ? Non, c'est bizarre. Par exemple, si on doit parler là avec Pierre, on essaie de parler de l'exposition Valoton. Et il m'a parlé d'un portrait de Monsieur Machin, tout ça. Moi, ça ne me dit rien. S'il me dit, oui, il y a un grand rouge, au-dessus, il y a un bandeau. Voilà, là, ça me parlera. Mais il faut que je retienne un titre si je veux pouvoir parler d'une peinture avec quelqu'un qui n'est pas peintre. Vous regardez dans l'ensemble ou vous regardez détail par détail ? Vous savez ce que dit Bonnard ? Dites-le-moi. Il faudrait dire au public du Grand Palais, il dit une peinture n'est pas faite pour être léchée. Je me demande toujours ce que les gens regardent quand ils s'approchent et qu'ils lèchent la toile. Parce qu'ils ont envie de la toucher. Ils ressentent. Ils ont envie de la toucher ? Non, je crois que... C'est quand même tactile quand même, qu'on dit non, on a toujours envie de toucher quelque chose. Et pourquoi il y a de la matière sur les tableaux ? Voilà. Oh, ça c'est le travail. C'est super, magnifique. En tout cas, je suis content de cette exposition. Et je suis très content parce que les gens sont heureux quand ils voient les tableaux présentés de cette façon. C'est un petit peu resserré, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'espace, mais déjà c'est pas mal. Moi j'ai compris une chose, j'ai compris, j'espère qu'on va vivre longtemps, j'ai compris que je ne montrerai plus de toile à l'atelier, puis le foutoir, voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas, céder à cette mode de laisser les gens rentrer dans la cuisine. Et maintenant c'est un fait de société. Ce plaisir que les gens ont à venir à l'atelier, il ne faut pas y céder parce que c'est la cuisine et puis on ne voit pas les toiles dans les bonnes conditions. Je l'ai vu ici, c'est-à-dire qu'ici c'est une chapelle pour voir la peinture et là-bas c'est la cuisine. Voilà, quand on... Non, puis c'est un lieu d'intimité pour la cuisine, que ce soit l'atelier. Non, c'est ça, l'atelier c'est ça, c'est pas blanc. Mais ça c'est pas le problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir une chambre bordélique, etc. Ça reste quand même un lieu intime. Alors quand quelqu'un entre dans un atelier alors qu'on n'a pas envie, c'est... Ah non, ça c'est horrible. Je ne veux pas dire que ce soit un viol, mais... C'est horrible. Même si vous dites... Et puis alors, on a, malgré le métier, il y a toujours une tentation, mais vraiment, qui est... Et on ne peut pas y résister. On a toujours l'impression que la dernière toile qu'on a faite... Et la meilleure.
Et même quand elle est en chantier. Mais c'est horrible. Hein. Et le lendemain, on vient et c'est une merde. Mais, et alors on est tenté. Alors on monte 2-3 toiles et puis tout d'un coup, on sort la toile Bettencourt. Mmh. Alors ça, c'est mortel. Après, on ne peut plus travailler. Parce qu'on dit aux gens, surtout vous dites rien, elle est en cours. Et il y en a un qui fait. C'est foutu. Je peux le faire aussi. C'est foutu. C'est foutu. Après, toute la nuit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et la toile est finie. La toile est finie. C'est vrai. Et ça, c'est très pervers. Mmh. Et on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher parce qu'on est enthousiaste, qu'on est dedans, qu'on devine que ça va marcher, que si, que ça. Et puis ça ne marche pas du tout.